choisi. Et Gogeta, ce n'est plus Nikos Parent. C'est bon, il a enlevé sa barbe, tout ça. C'est ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle cosplayeuse, parce que oui, c'est une cosplayeuse. Encore une. On se retrouve avec Inaqua Cosplay, qui a incarné Lady Wifi dans le deuxième épisode de cette cosplay. Lady Wifi. Donc voilà, donc on va vous laisser c'est avec ça. Elle va vous faire... On l'a vu, alors on l'a vu dans... Live cosplay, on l'a vu dans d'autres vidéos aussi, notamment à Japan Expo par exemple. Aussi, oui, dans les vidéos hors live, on l'a vu aussi. Donc, donc on vous laisse tout de suite avec elle. Salut! Bienvenue chez moi! Oui, je vis ici, avec Madame Chaussette. Ça va, Madame Chaussette? Alors, je suis Inaqua. Fait Ladybug, je crois. Non, pas Ladybug. Lady Wifi, je crois. Ah, je suis tombée! Voici ma cachette de cosplay. Où je range tous mes cosplays. Et mes vêtements. Et moi. Et mes chaussettes. Et mes sous-vêtements. Et moi. Ouais. Non, alors en vrai, techniquement, c'est pas pour me vanter, mais c'est moi qui ai fait découvrir Miraculous à Kogenta. Voilà, je dis ça comme ça, vous le prenez comme vous voulez. Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur mon téléphone, comme ça. Merci Madame Chaussette de m'aider. Et je scrollais. Et puis, pouf! Ah! Une photo d'un cosplay genderbend de chat noir. Du coup, c'était chat noir. et du coup, bah, j'ai fait, oh, c'est trop stylé, et je l'ai partagé. Du coup, bah, Kogenta, il a vu la photo, il a fait, ah, c'est stylé, j'ai fait, ouais, c'est stylé. Et je sais plus trop comment il a fait pour trouver que c'était Miraculous, mais il a trouvé que c'était Miraculous. Et c'est comme ça que le monde connut Kogenta Cosplay et les Miraculous Live Cosplay. Grâce à moi. Voilà, ne remerciez pas assez. Et en fait, de base, il bassinait tout le monde avec ça. Hein. Personne ne voulait l'écouter. Et au final, à force de forcer, et bah Candy s'y est mise. Et du coup, bah ils ont entraîné tout le monde, comme dans leur habitude. Bah oui, ils font toujours un début de groupe. Et puis après, bah, y a tout le monde qui s'y met. Parce que bah ils demandent à tout le monde. Et du coup, bah. Tout le monde se fait entraîner un peu dans leurs choses, quoi. Qu'est-ce que représente Miraculous Life Cosplay pour moi? Bah, une bande de potes sympas, des tournages, des regards un peu chelous des passants quand on est sur Paris. Est-ce que je compte faire un autre cosplay Miraculous? Non. Non. Elle me va très bien celle-là. Pas de raison d'aller chercher ailleurs, je dirais. Ouais. Est-ce que je retournerai un jour dans un Miraculous Life cosplay? Probablement. La revanche d'Ina. Quoi? Non! La revanche de Lady Wifi! Cette petite interview de Lady Wifi est terminée. Enfin, de Lady Wifi de Inaqua cosplay. J'espère que bah, ça vous a plu. Voilà. Et bah, on vous retrouve demain. C'est pour ça. Une cosplayeuse ou cosplayeuse. Voilà, on vous laisse la surprise. Encore. Voilà. Mais si vous suivez bien notre ligne directrice, je pense que vous savez qui c'est demain. C'est ça, voilà. Allez, bisous, à demain. Ciao, ciao.